Salut, c'est Seb. Nouvelle vidéo sur le championnat VFR sur Assetto Corsa en V8 Supercar. Donc, on est sur la troisième manche, Phillip Island. On est parti pour 1 heure de course, soit 34 tours. Donc, la qualif vient de se terminer. Je fais un dixième temps, autant dire dernier, puisque ce soir nous ne sommes que 10. Je vais pas me pencher un peu plus longtemps sur ce fait de ce soir, comme quoi nous ne sommes pas beaucoup. Bref, on va essayer de faire une course correcte et on se retrouve sur la grille de départ. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe déjà? Yellow flag, watch out. Ouais, on a pris un départ moyen. Well done, Seb. Good start. Car right. Right side's clear. Doucement, Seb, doucement. Allez, fin du premier tour, 8e place. All right. Laissez, Still there. on va pas fermer la porte. Clear right. On va essayer de garder le rythme. Alors que ça revient déjà très fort derrière.
tires are cold. The gap in front is now 0.2. Car right. Clear right. Ah, sorti derrière. Okay, Sam. Keep piling on the pressure. He'll make a mistake. Yellow flag. Caution. That was 137.2. Sector 2 is 2.3 seconds. Off the pace. Ah non, non. Yellow flag. Une erreur. Seb, track limits, come on. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Car left, clear left. You've just done a 136.3. Stay calm, keep it smooth. Seventh position. Allez. Essayer de manier ça à 7ème. Il vient de passer Nightmare. Mais bon, il est beaucoup plus rapide que moi donc. Allez, plus que deux tours, toujours 7ème. Yellow flag. Thank you.
track limits. Bon allez, on va encore faire un dernier tour, on va faire un petit résumé de cette soirée. Donc encore une fois, je n'étais pas du tout dans le rythme. Pour preuve, je fais le dernier temps des qualifs. Alors, on va pas gêner les deux là parce qu'ils ont l'air de se battre. Donc je reviens à ce que je disais. Pas dans le rythme. Problème de souci de manque de participants, je rappelle on était que 10. Donc là je vais terminer cette manche 7ème. Je marque des points quand même, c'est pas grave. Donc ce circuit là, Phillip Island, ça change un petit peu de ce qu'on a pu faire sur ce qui était au calendrier sur les deux premières manches. Ça laisse beaucoup plus de liberté, de place à la faute au cas où, hein. Il y a moins de murs, moins de risque de contact, la piste est plus large. Et en plus, je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner. C'est-à-dire que je me suis aperçu hier sur le forum qu'en fait la manche elle était ce soir. Donc j'ai roulé un petit peu cet après-midi, mais c'était clairement pas suffisant pour être dans le rythme de course. Donc si vous n'avez pas vu de deuxième manche, c'est normal, je répète, il y a eu un souci de serveur, donc elle est décalée à la fin du championnat, pour pas décaler toutes les dates. Je suis vraiment au ralenti. Non, je dois avoir un problème aussi avec mon application de pneus parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont usés. En fin de compte, ressenti, si. Voilà, donc, comme d'habitude, je vous mets les classements à la fin de vidéo ou alors dans l'espace description. Et puis on se dit à une prochaine course, à la prochaine manche. Voilà. Bonne journée, bonne soirée. Salut.